Lauren Winter, ça vous dit quelque chose ? Non, je vois pas. Oh, cette Lauren Winter là ! Troisième étage, dernière porte à gauche, au fond du couloir. Winter. Désolé, je reçois que sur rendez-vous. Attendez. C'est 50 billets. J'embrasse pas et je fais pas de trucs tordus. Ça me va. Pose le fric sur la table. T'as exactement 10 minutes. Quand le réveil sonne, c'est terminé, ok ? Bah déshabille-toi, on n'a pas toute la journée. En fait, je suis pas un client. Et merde, un flic. J'aurais dû m'en douter. Vous voulez quoi ? Une passe gratuite, c'est ça ? Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. Les familles des victimes du tueur aux origamis m'ont chargé d'enquêter sur les meurtres. J'aurais voulu vous poser quelques questions sur Johnny. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. J'ai rien à ajouter. Allez-vous-en. Il y aura d'autres victimes si on n'arrête pas le tueur. Il faut que vous m'aidiez, Lorraine. Vous savez peut-être quelque chose qui peut faire avancer l'enquête. Vous aider ? Y a rien que vous puissiez faire. Mon fils est mort, vous entendez ? Il est mort ! Je comprends, Lauren. Je sais ce que vous devez ressentir. Ah oui ? Vous savez ce que ça fait de retrouver le corps de son enfant dans un terrain vague ? Excusez-moi, mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens, Monsieur Shelby. Si on retrouve pas le tueur, d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans des terrains vagues. Hey, vous avez raison. C'est pas votre problème. Tout ça ne vous concerne plus, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Parlez-moi de Johnny. Quel genre de gamin c'était ? C'était vraiment un brave gosse. Quelquefois, il se battait quand les gamins me traitaient de... Vous savez... À sa manière, je crois qu'il comprenait ce qui se passait. Est-ce que vous avez suspecté quelqu'un après sa disparition ? Avec mon boulot, je croise pas mal de types un peu bizarres. Je me suis demandé si ça pouvait être l'un d'eux. Mais ça collait pas du tout. Je crois pas qu'un de mes clients aurait pu faire ça. À mon Johnny. Et à tous ses autres enfants. Vous en voulez une ? Non, j'ai arrêté, merci. C'est courageux. Parlez-moi du père de Johnny. Un loser sans boulot qui me frappait quand il avait un peu trop bu. Le jour de la disparition de Johnny, il s'est tiré. Un lâche. Tant mieux qu'il soit parti. Johnny vivait avec vous ? Oui. Bien sûr, je faisais en sorte que Johnny ne croise jamais mes clients. Je voulais arrêter, vous savez. Mais on avait besoin d'argent. Je voulais tenir le temps d'avoir assez de fric pour partir d'ici.
La séance est terminée. J'espère que vous avez eu ce que vous vouliez. Maintenant, allez-vous-en. Si vous vous souvenez de quelque chose, même un détail, appelez-moi. Qu'est-ce que tu veux, connard ? Lorraine ! Est-ce que tout va bien ? Elle va super bien. Maintenant, dégage ! Encore toi ? Si tu cherches les emmerdements, t'as gagné. Je vais te défoncer ta sale gueule ! Oh ! Est-ce que ça va ? Mieux que lui, je suppose. C'était qui ? Un ancien client qui croit avoir des droits sur moi. Il devenait violent, alors je lui ai dit de plus venir me voir. Oh, vous devriez vous méfier. Il va sûrement revenir. Désolé pour le désordre. Monsieur Shelby ? Oui. Merci.